Hey yo tout le monde, c'est Python, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur Infinite Warfare. C'est encore la même map que la dernière fois, je suis désolé mais je voulais vraiment vous présenter ce gameplay pour cette arme là. En effet la RPR Evo, si je ne dis pas de bêtises, donc une mitraillette qui peut se combiner en fusil d'assaut en maintenant, du moins pour Xbox, la touche Y. Alors ça dépend peut-être de ma configuration vu que je l'ai un petit peu changé. Donc quoi qu'il en soit, ça fait un petit peu comme pour Ghost, hein, quand je dis que le jeu ressemble à Ghost sur certains points, encore une fois de plus, une preuve ici. La Reaper, pour ceux qui se souviennent, qui était de base, il me semble, une mitraillette, qui pouvait devenir un fusil d'assaut, c'est-à-dire que l'arme perdait en cadence de tir, mais gagnait du coup en précision et indirectement aussi un petit peu en portée. Et bien là, c'est le même principe, c'est une arme qui de base est une mitraillette, donc qui tire très très vite avec un très fort recul. Cependant, si vous la mettez en mode fusil d'assaut, tout d'un coup, l'arme devient très très stable. Ça me fait penser un petit peu à une arme de Black Ops 2 d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était un coup par coup, mais si on mettait le mode automatique, ça avait à peu près la même cadence de tir. Une arme qui faisait plutôt mal quand on s'en servait et qu'on avait une bonne coupe, hein. Ça je ne le cache pas. Donc quoi qu'il en soit, voilà, sur ce gameplay, vous le voyez, à plusieurs moments, je change en fait, selon les configurations de map, les endroits, vu que le mode mitraillette a vraiment un recul immense. Mais il y a des zones dans la map où il faut un peu plus de longueur, notamment dans les couloirs, et du coup je mets cette arme en mode fusil d'assaut. Et d'ailleurs je trouve l'arme plus puissante en mode fusil d'assaut qu'en mode mitraillette. Bon maintenant après voilà, comme je l'ai dit, il y a un fort recul, ce qui fait que le mode mitraillette est vraiment très puissant à très faible portée, hein. Concrètement faut pas être très très loin parce que le recul est extrêmement dur à gérer. Après les pare-balles extrêmement vite, vous voyez je suis déjà en bout de munitions. Point de vue de mon spécialiste, j'étais avec le mercenaire je crois, enfin bref il a le bouclier. Je m'en sers énormément pour rusher dans le tas. En pleine face, voilà, s'il y a des ennemis sur le passage, il meurt. Mais concrètement, c'est vraiment... J'aime beaucoup le spécialiste, hein, moi qui le critiquais pendant le fameux trailer. Vous allez voir, ça va camper avec. En fait, non, je m'en sers vraiment pour rusher. Bon, après maintenant, c'est moi. Hein, bien sûr, la communauté, on sait ce que ça donne. Des fois, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais peut-être changer d'arme, mais je crois que je meurs de toute façon. Donc, c'est pas très grave. Je voulais voir donc avec vous, voilà, je parlais de l'arme, hein, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Également, je voulais qu'on parle des armes disponibles dans cette bêta, pas des armes, des maps, pardon, disponibles dans cette bêta. Je voulais avoir votre avis. Moi, personnellement, j'ai énormément de mal à accrocher sur toutes les maps qui nous ont mises. J'ai aéroport en tête, c'est pas aéroport, je ne sais plus son nom, vous voyez laquelle que je veux dire, donc la fameuse remasterisée, hein, qui date de peut-être même W2, je me souviens plus, ou même W3, non MW2 il me semble, enfin bref, qu'est-ce que vous pensez concrètement de ces maps? Moi personnellement j'ai beaucoup de mal à accrocher, je les trouve pas forcément jolies de première base, mais bon ça après j'en ai déjà parlé, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne sur les maps, peut-être trop de passages, ce qui fait que ça passe de tous les côtés, je sais pas, j'ai vraiment un truc qui m'empêche d'apprécier les maps. Et en fait, si j'en viens à vous poser cette question, c'est que dans mon cercle d'amis, voilà, ceux qui jouent à la console, même ceux qui ont vite fait tester, je suis pas le seul à le penser, alors que eux, bah, aiment beaucoup plus Call of que moi, enfin, ils aiment beaucoup plus les Call of de maintenant que moi, et voilà, j'étais assez étonné qu'ils disent ça, parce que bon, comme ils les aiment, généralement, ils aiment bien les maps qui vont avec, et ils sont un petit peu perplexes avec ces maps, et du coup, bah, je voulais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui vous dérange, vous, là-dedans? Moi, c'est peut-être trop de passages, notamment cette map. Vous avez trois passages principaux en haut sans compter les secondaires. Vous avez deux passages en bas au sous-sol sans compter les secondaires. C'est un vrai merdier. Personnellement, il y a même des fois où on a l'impression de chercher nos ennemis parce qu'au final, la map reste du coup assez grande. Elle en soit petite en taille, mais concrètement sur deux niveaux, la map du coup est assez grande et c'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Après concrètement, les passages qui sont là sur les côtés, j'accroche pas trop, ça incite vraiment au spawn trap, limite spawn trap, et voilà, c'est un truc qui me dérange là-dessus, peut-être sur les autres maps aussi, au final, c'est peut-être ce que j'ai pas trop aimé, parce que les spawns, généralement, je les trouve assez simples, en fin de compte, c'est vrai qu'on critique Black Ops 2 pour les spawns évidents. Bah là je trouve que c'est un petit peu le même cas, même peut-être pire, et c'est peut-être ça qui fait que j'accroche pas dessus. Enfin voilà, dites-moi en tout cas vous vraiment ce que vous pensez de ces maps sur Infinite, que ce soit voilà celles qu'on a vues, celles qui sont peut-être prévues, j'ai pas fait attention si elles avaient été révélées ou pas.
Et dites-moi également ce que vous pensez de cette arme. C'est une arme de base, hein, c'est pas une épique ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je la trouve en tout cas très très efficace. Bon, c'est dommage, j'ai pas pillard, ce qui fait que souvent, quand je suis un petit peu en série, je suis obligé de trouver une autre arme sur le sol. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, ça j'y peux rien, c'est comme ça. On n'a pas encore débloqué Pia, puis voilà, je vais pas saigner une bêta, hein, sachant que le niveau ne se sauvegarde pas, que j'accroche pas forcément avec le jeu, malgré que je fasse de très bonnes parties. C'est vrai que le jeu ne me met pas plus que ça en haleine. Donc voilà, là vous voyez, je me suis servi du bouclier. Enfin bref, dites-moi vraiment tout ça. Point de vue aussi, vite fait, j'en parle très rapidement, j'ai pas le temps de tout tester, mais des score streak, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, bon, on va pas parler du drone de débrouillage, hein, les trucs standards, mais qu'est-ce que vous pensez des kill streaks qui font donc des dégâts entre l'espèce de foudroiement, j'arrive pas à le dire, enfin bref, donc les avions qui passent et qui larguent des bombes, ou la variante de Thor, ou la variante du missile Storm. J'avoue que je les trouve un petit peu puissants, c'est vrai que c'est des maps où il y a que des bâtiments, donc pas très efficaces pour le coup. Enfin voilà, du coup, dites-moi vraiment tout ça dans l'espace commentaire. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, dès demain, hein, pour la suite du Let's Play sur Battlefield. Mon score est de 33 à 9, je crois, donc plutôt une bonne partie, avec une équipe qui a pas fait trop grand-chose, mais c'est pas grave, j'ai gagné, c'est le principal. Voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite à tous bon jeu, et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye les gens.